Coucou tout le monde, je faisais deux trois réglages. J'espère que vous allez bien. Attendez, je recoupe juste ça. J'espère que vous allez bien. Alors si vous voyez qu'il y a un petit carré rouge au-dessus, c'est que vous êtes en direct. Si vous voyez plus, c'est que vous êtes en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, moi je vois si ça fonctionne. Alors aujourd'hui, on va faire un make-up sur avec l'effort liquide. Je rappelle, ils sont dans l'offre du mois. Vous avez même les trois nouveaux en édition limitée que vous pouvez acheter soit à l'unité ou maintenant ils sont disponibles dans l'offre spéciale yeux avec le mascara et soit le twister ou le hippic et puis l'eyeliner ou le crayon. Et l'autre offre qui est à 60 euros pour les lèvres avec l'exfoliant pour les lèvres. Donc il est super, franchement c'est à base de sucre. Pour les personnes diabétiques, il existe le mentholé. Et les deux otis, c'est des repulpeurs à lèvres. Je devrais bientôt le recevoir, je vous montrerai comment il fait. Il est super bien. Attendez, je ne sais pas si on peut. Voilà. J'avance un peu. Hop, voilà. Alors hier il faisait beau, j'ai gardé mon débardeur, je vais changer parce que franchement vu le temps de merde qu'il fait aujourd'hui, c'est pas possible. Allez, on commence. Les repulpeurs, c'est pareil, il y a des nouvelles couleurs. Je l'ai posté tout à l'heure. Elle a 60 euros l'offre. Elle a jusque fin juillet, vous avez le. Le fond de teint liquide qui est à 31,50 € au lieu de 42 €. Le fond de teint liquide qui est super bien aussi. Il a un petit effet poudré, mais pas un gros fini. Mais il va super bien aussi. Vous mettez que 4 gouttes, vous avez une bonne modulance. Ah, attendez. Ça fait tomber quoi? Ah, ah oui, ça coule. Ouais, c'est normal, ça. Tomber de bibi. Hop. Alors là, c'est la base Glorious que je mets tous les jours avant le fond de teint qui est indispensable, franchement. Si vous voulez que votre fond de teint tienne toute la journée, que ça bouge pas les pores, ça fait un film protecteur pour la peau. Ça va super bien. Une laveur matifiante, en hydratante et pour peau mixte. Donc du coup, je vais en faire avec le fond de teint liquide. Que je suis en train de terminer parce que franchement il ne me reste plus grand chose à force. Il faut que j'en reprenne un, je vais en profiter pour reprendre un aussi. Et en plus surtout que là c'est ma teinte de printemps, donc elle est un peu plus claire, mais je vais venir rehausser ça avec la poudre de soleil. Donc vous voyez, 4 gouttes. On le dispatche comme ça. On vient faire des petits ronds pour l'étaler. Donc celui-ci s'étale au pinceau. De toute façon, vous avez toujours un meilleur rendu au pinceau. Celui-là ne s'étale pas avec les doigts. Quand c'est n'importe quel fond de teint, c'est toujours plus beau avec un pinceau. Et avec des bons pinceaux, c'est mieux. De quoi mon titi? J'arrive mon lapin, attends. Vous voyez, on est en 2 secondes, c'est pareil, vous avez un beau petit teint. Il y a une couvrance un peu plus légère que le fond de teint à poudre. Quoique le fond de teint à poudre, c'est moins du lable aussi. Hein. Parce que suivant le pinceau que vous prenez, c'est plus ou moins léger. J'ai un chat qui arrête pas de miauler, j'ai une postée hier. J'ai ma chatte qui est en chaleur, je vais pas donner la pilule parce que du coup, bah, je me suis dit que c'était trop tard. Et du coup, il est pas péteux, il vient toute la journée, mais bon, il n'est pas très en forme. Il est un peu humain, j'espère qu'il n'est pas malade, parce que j'ai pas qu'il rechoppe. Il n'arrête pas de rentrer dans la barrique depuis hier. Je pense qu'il est plutôt amaigri, il n'a pas l'air malade, mais il a l'air plutôt très amaigri. C'est un mol, du coup. J'ai mis sur pétalette, mais après, ça met 24 à 48 heures, apparemment, pour poster les annonces. Alors, d'ici là, on verra bien. J'ai mis sur charme, si on a qui ça va, qui ça peut être. Ah, j'ai un truc qui me pique. Donc voilà, le fond de teint liquide.
Il y a un petit effet poudré. Oh, je vais même pas mettre ma poudre. Je vais juste mettre, faire un teint léger aujourd'hui. Je crois que je vais au coiffeur aujourd'hui, c'est bien. Enfin, ce soir, du moins. J'ai rendez-vous à 5h, j'ai refermé mes mèches. Ça fait super longtemps que j'étais parfait. Parce que justement, c'est long, hein. 2 heures à chaque coup. Hein. Donc, le blush, qui est indispensable aussi, quand on met du fond de teint, ça permet de... Parce que le fond de teint unifie la peau, donc du coup, ça fait un effet bonne mine, ça donne de la couleur. Ceux-là sont super pigmentés aussi. Hein. Mais si vous mettez du fond de teint, voilà, le fond de teint, ça ne sert pas à donner de la couleur. Hein. C'est pas fait pour bronzer. Hein. C'est vraiment pour unifier la peau. Donc derrière, il faut remettre du blush. Et ce qui est top, c'est de mettre un illuminateur aussi. Là, ils ont sorti la poudre de soleil bronzante Beach Front. Elle est vraiment super. Elle existe en 3 teintes. Elle vous fait un teint, un beau teint bronzé, sans effet pailleté. Il y a juste un petit côté nacré, c'est tout. Vous la déposez autour du visage. Vous voyez, en rien de temps. Et, au niveau des joues, et ça rehausse tout de suite. Hein. Ça donne un effet bonne mine aussitôt. Hein. Ça vous fera un avant-après du teint que j'avais juste avant. Et pourtant, là, j'ai utilisé une teinte, vu que j'ai bronzé, qui est un peu plus claire. Et oui, ça rehausse aussitôt. On voit pas du tout la différence. Hein. Donc, voilà. Je ne vais pas mettre de poudre aujourd'hui. Je vais faire un teint assez simple. J'ai fait beaucoup avec le crayon. La sourcil qui est vraiment super. Je vais faire avec la palette aujourd'hui. Ça changera un petit peu. Les deux sont waterproof. Après, ça dépend ce que vous aimez bien. Le crayon est assez simple d'utilisation, franchement. Alors, la palette, elle se compose comme ceci. Vous avez un côté poudre, un côté crème, crème gel. Alors, il y en a qui travaillent qu'avec la poudre, il n'y en a qu'avec la crème. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Non, je prends toujours les deux. On vient de redessiner la pointe. Alors celui-là, moi, j'ai jamais trop besoin de le redessiner. Vous achetez le boîtier, il est à 37 euros, je crois. Et après, vous avez les recharges à 16 euros. Mais franchement, vu la quantité qu'on utilise, je pense que ça dure, comme tous les produits uniques, il dure un bout de temps. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Après, il vous faut le pinceau. Hein. Donc, c'est celui-là que j'ai toujours plus à redessiner. Oh, je me dis, les gosses, ils sont en vacances, là. Je crois que c'est la première fois qu'on a un été aussi pourri. Vous voyez, ça change tout de suite. Hein. Et ça bouge pas de la journée. Après, moi, j'utilisais beaucoup de la poudre avant. Mais c'est vrai que là, j'ai une petite préférence pour le crayon à sourcils. Hein. Qui est peut-être un peu plus rapide aussi. Et un peu plus simple à utiliser. Mais les deux tiennent très bien. Donc vous avez 5 teintes. Vous avez du blond, de l'auburn, du châtain clair, châtain foncé. Et vous avez noir. Donc on va bien redessiner la tête.
Voilà. On va remettre un petit coup de brosse après. Pareil, la brosse du crayon à sourcil, elle est super. Ça change des goupillons. Ça soit papa. Je vais t'en mettre un tout petit peu là, à la pointe, même si d'habitude la plaine doit être plus claire, mais là. Voilà, les sourcils sont faits. Ce qui est bien, hier j'avais fait de la, j'avais mis la poudre. J'avais utilisé la base pour les yeux, la base qu'on utilise avant de mettre les fards, Je ne sais plus où c'est qu'elle est. La base, c'est un petit tube comme ça. Vous le mettez avant de mettre la poudre. Franchement, vous avez les fards, ils ne bougent pas de la journée et ça accentue les couleurs aussi. Hein. Hier j'ai mis mes fards en poudre, pourtant. Ils ont tenu toute la journée. Donc on a 10 fards liquides aujourd'hui. Ils sont dans l'offre. Je vais faire fards liquides et poudre. Donc ceux-là, il n'y a pas besoin. Ils tiennent vraiment très bien vu qu'ils sont sans transfert. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de la base avant. Alors vous avez les trois nouveaux. Alors vous avez un blanc comme ça qui est super beau. Vous avez le gris. Et vous avez des sixièmes, un petit rosé. Ils sont magnifiques, franchement, tous les trois. Franchement, tous les fards liquides, moi, c'est mes préférés. Très simple d'utilisation. Ils ont un rendu super. Celui-ci, c'est révérente. Franchement, il est top. On peut l'associer avec plein d'autres couleurs de fards. On met juste sur la paupière mobile. On poudre avec une couleur plus foncée. Ça fait tout de suite un super rendu. Alors, aujourd'hui. Je vais utiliser le gris, le blanc, et on va remettre de la poudre. Le blanc, je vais m'en servir en illuminateur. Donc, ils se présentent comme ça. Je n'ose pas trop tirer. Vous avez un petit réservoir dedans, donc vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau, ou juste comme ça, suivant l'intensité que vous voulez. Je vais juste le mettre dans le coin interne de mon œil pour le côté illuminateur. Je viens juste le tamponner au doigt. Et sur en dessous de ma ligne de mon sourcil, ça tient un point de lumière. Franchement, il ressemble un peu à l'optimistique qui est en poudre. Ils sont super beaux. Après, il faut les retravailler assez rapidement parce que du coup, vu qu'ils sont sans transfert, ils sèchent. Donc, une fois qu'ils sont secs, vous ne pouvez plus les travailler. Mais ils ont une superbe tenue. Après, ils tiennent que ce soit le poudre, le splurge. Ils tiennent tous très très bien, quoi. Franchement... niveau tenue, il n'y a vraiment rien à redire. Quand on est en dessous du sourcil, comme ça, c'est très bien aussi quand on a tendance à avoir les paupières qui retombent. Ça fait un effet d'optique. Ah. Restez là. Vous voyez, si on l'applique une première fois et qu'on le tamponne, qu'on en remet une deuxième passe, bah du coup, ça accentue encore plus. Voilà.
Même là, tout blanc, juste avec un trait d'eyeliner, c'est super beau. Donc, après, je viens prendre mon gris. C'est un gris, il a des petits reflets, un peu une nacrée. Hop, avant de commencer, je vais nettoyer mon pinceau, parce que j'ai du rose dessus, de hier, on va éviter. Préparer mes pinceaux comme ça pour transférer d'autres couleurs dessus. Pinceau boule. Les pinceaux sont indispensables. Là, franchement, si vous voulez des bons pinceaux, c'est vraiment indispensable pour avoir un bon make-up. Hein. C'est comme un peintre. Hein. S'il n'a pas les bons pinceaux, il a beau avoir de la bonne peinture. Servira pas à grand chose. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est hyper important d'avoir des bons pinceaux. Ça pour les que le make-up tienne bien ou pour travailler le make-up. Je cherche mon pinceau estompeur. Et voilà. Alors, ceux-là, franchement, pour moi, c'est indispensable. J'attends toujours le repli de l'œil qui est toujours qui est plus dispo. Parce qu'il est hyper important. Attends, j'en prends un autre, mais bon. Mais celui-ci, pour faire les halos, il est super bien. Donc, voilà. Hop. Donc, je vais mettre le gris sur ma paupière mobile. Je viens le travailler tout de suite. Sans aller dans le coin interne, donc j'ai mis mon blanc. Et là, bon, c'est un beau gris. C'est vraiment sympa. Après, je pourrais tout aussi bien l'appliquer et le laisser façon le travailler au pinceau. Et sous son transfert, vous pouvez les utiliser aussi comme rouge à lèvres. Vous verrez le. En fait, les pinceaux sont. Sont adaptés à la forme de l'œil. Hein. C'est vraiment un petit pinceau un peu courbé, donc on peut juste, avec le petit réservoir, on le passe sur la paupière, et aussitôt, vous avez la forme du signe de l'œil qui est fait. Pour intensifier tout ça, on va mettre une couleur, moi je vais mettre de la poudre, un peu plus foncée au fond. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Il y a le bleu là qui est sympa parce qu'il fait une couleur assez foncée, mais je pense que celui-ci ira bien avec. Il est très beau. Je sais plus c'est quoi la couleur, celui-là. C'est la couleur, je vais vous dire ça, une fois que j'aurai trouvé mon truc, parce que moi il y a des pastilles en fait quand on achète, et moi je les ai mis au-dessus des trucs. Je les ai pas mis là, parce que du coup je me suis dit si ça ressort. Donc c'est pareil, les palettes, vous pouvez les acheter soit à l'unité, soit les petits boîtiers à l'unité. Irrationnel. C'est les petits... les recharges, elles sont aimantées, en fait. Les palettes sont aimantées, elles ne bougent pas. Vous avez en palette de 4, en 8, en 25. Et vous achetez juste les recharges que vous avez besoin, ou des boîtiers à l'unité. Vous avez des petits boîtiers. Mais après, quand vous les prenez en palette, c'est plus rentable, vous payez moins cher. Hein. Alors, je viens prendre mon pinceau. Creux de paupières. C'est vrai que là j'aurais pu mettre un petit peu de base, mais bon, ça vaut. Enfin, avec le fort, ça va déjà tenir bien. Puis franchement, ils tiennent déjà super bien. Je viens le passer dans le coin interne de mon œil.
va pas trop loin dans le dégradé. Hop. J'ai un relais estompé après, avec la pince estompeur. Pareil du côté là. Qu'est-ce qu'il y a, mon raton? Alors moi, le côté A se met toujours mieux que le côté là, je sais pas pourquoi. Il est toujours plus facile à être... Alors, autant le sourcil, il est plus beau du côté là, autant pour me maquiller, il se met tout de suite mieux du côté là, le maquillage, que du côté là. J'arrive mieux à travailler, mais bon. On dit toujours qu'on n'a pas un œil pareil que l'autre, donc... Là, je prends mon pinceau estompeur. J'ai un travail en faisant des petits ronds, en remontant. Plus je passerai, plus ça estompera. Le correcteur après. Pour pas créer de démarcation en fait. Ça fait un petit côté flouté naturel. Pas hésiter à aller travailler, franchement, plus vous travaillerez, mieux ce sera. Voilà. J'aime bien les couleurs là, c'est mes couleurs préférées. Je regrette d'ailleurs qu'ils fassent pas plus de bleu. Il y en avait un bleu un peu turquoise, il était magnifique et ils le font plus. Là, j'ai à prélever toujours mon bleu. Que je viens mettre en ras de cible sans aller dans le coin interne de mon œil, parce que j'ai mis le blanc et puis ça permet d'ouvrir le regard en gardant le blanc. Et vous voyez, tout de suite ça ouvre plus le regard. Après, on peut laisser comme ça, ça dépend. Il y a des personnes qui n'aiment pas mettre en dessous. Hein. Là, j'ai fait ma tombola. Si ça vous intéresse, à 2 euros la case. Et vous avez à gagner une autre rose, un phare et un crayon, je crois, si je me rappelle bien. Vous pouvez y accéder. Elle sera finie une fois que toutes les cases seront remplies. Donc on fait le paiement à la fin. Et il y aura un tirage au sort. Et il y a aussi le petit sac d'été, là, 24 euros le sac. Vous avez votre sac. Et dedans, je vous mets un de mes chouchous. Donc minimum, n'importe comment, vous avez des petits cadeaux dedans. N'importe comment, vous êtes remboursé déjà. Hein, avec le prix vous avez le prix du sac, les petits cadeaux dedans, plus un produit unique. Donc tout de suite, c'est un produit à plus de 20 euros, 25 euros. Donc vous êtes tout de suite remboursé. Et en prime, vous avez le sac et le produit unique et les petits cadeaux. Alors là, je vais juste reprendre un petit peu de correcteur. C'est juste pour passer un petit coup, pour redessiner en fait l'halo en dessous. Donc j'en mets très peu. Hop. Je vais redessiner avec mon éponge. C'est pareil, il faut bien penser à les mouiller parce que il y a des personnes qui mettent du scotch aussi des fois.
C'est pas trop bon mon truc. J'ai déjà vu des serviettes hygiéniques aussi. Enfin, il y a de tout apparemment. Là, je le fais en dernier comme ça. Hop, j'ai un rire le poudrer. C'est indispensable de le poudrir. Et surtout le tamponner, et ça crée un effet éliminateur. On peut redessiner le sourcil en dessous avec. Là, je ne l'ai pas fait parce que du coup, j'ai mis de. J'ai mis du. De l'optimistique. Je prends ma poudre Bewald. Il n'y a qu'une tarte. Hein. Elle s'adapte à tous les teintes de la peau. Avec mon pinceau Kabuki. Hop. Je viens tamponner. Pas frotter, parce que vu qu'on a mis le correcteur, ça se tamponne, ça se frotte pas. Hop. Voilà. Ça crée un. D'un côté, ça élimine en dessous, en fait. Vous voyez, on voit, c'est un peu plus clair, ça crée un effet éliminateur. C'est pas spécialement pour combler les cernes. Moi, j'ai pas trop de cernes en fait. Je suis assez creusée, mais j'ai pas trop de cernes au niveau de. Au niveau des yeux. Alors, quel mascara on met aujourd'hui? On va mettre la base. Qui est super bien, franchement. Elle permet de gainer les cils. Apporter une meilleure, je sais pas comment on dit, pour qu'ils soient encore mieux recourbés. J'utilise beaucoup avec l'autre mascara qu'on sait qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup du Twisted et puis du 4D, mais vous avez aussi le mascara, celui-ci, le Epic tout simple, qui est waterproof aussi. On l'applique beaucoup avec celui-ci aussi, avec la base. Et là, je vais le mettre. Je vais faire qu'un œil pour vous montrer déjà la différence. La brosse est un petit peu recourbée, du coup, ça permet déjà de recourber tous les cils. Là, je n'ai pas mis de crayon ou de eyeliner. J'aurais pu, mais après, ça fonce déjà assez. Hop. La poudre, on peut aussi. La poudre, là, on peut s'en servir comme base pour la peau, pour les yeux aussi. Enfin, pour les yeux et pour le teint. Je sais pas lequel mettre. Moi, je vais mettre les. Allez, on peut pas mettre l'épic. J'allais mettre le Twisted. J'ai mis le Twisted. C'est vrai que j'aurais. Demain, je ferai avec le épic normal pour vous montrer. Ah, je vais mettre une passe. Comme un mascara normal, parce qu'il est à base de fibres, celui-ci. Hein. Donc, il faut mettre minimum deux passes. Deux passes, c'est déjà un très bon rendu. Hein. Pour que les fibres s'accrochent entre elles, en fait. Ce qui permet d'allonger le regard. Bien tourner sa brosse. Moi, j'en mets toujours en bas parce que ça ouvre le regard. Ça donne. Plus d'intensité aussi. Là, je vais remettre une deuxième passe. Franchement, ils sont magiques dans le mascara. Ils sont vraiment super. Sont faciles à travailler. Il n'y a jamais de paquet. Surtout avec la base. Hein.
des fois, je me rappelle les anciens qui faisaient, pas chez Unique, d'autres marques, on mettait ça faisait des gros paquets plutôt qu'autre chose. Ah bah les ici étaient gainés, oui, mais par contre, limite, on voyait plus les ici tellement ça faisait des paquets, quoi. C'était pas super. Celle-là est pratique aussi, c'est pour prendre les petits cils. Ouais, j'ai failli le mettre sur le nez. Hop. Mais voilà. Vous avez vu comment il remonte les cils. Franchement, l'effet du 4D est super bien. Le Twisted est aussi pour prélever les cils. Franchement, ils ont deux effets faux aussi de super. Hein. Et après, je pourrais remettre encore une troisième passe, mais bon. C'est déjà assez accentué comme ça, donc. Pour une soirée encore. Vous voyez comment ça ouvre les yeux tout de suite? Ouais, ils sont vraiment super, quoi. Que j'oublie d'en mettre ma brosse quand même, parce que je ne l'ai pas mis sur l'autre œil. Un œil paraît plus agrandi aussi, on voit la différence. Hein. Je remets ma base. J'ai régommé mes lèvres après avec l'exfoliant. Donc l'exfoliant, je rappelle, il est à base de sucre. C'est ce qui permet justement de créer l'effet grain. C'est des sucres. Il est naturel. Et ça permet bah, déjà d'enlever toutes les petites peaux, d'avoir les lèvres toutes douces. Mais ça permet aussi une meilleure adhérence et une meilleure tenue de votre rouge à lèvres. Et utilisable aussi bien en été qu'en hiver. C'est vrai qu'en hiver, on a tendance des fois à avoir les lèvres un peu gercées ou des petites peaux, des lèvres sèches. Bon, en ce moment, avec les masques et tout ça, c'est pareil. Et puis l'été, bah, avec la chaleur, bon, c'est pas trop le cas en ce moment. Mais ça permet d'enlever toutes ces petites peaux mortes et de stimuler les vaisseaux sanguins qu'il y a dans les lèvres, qui sont dans les lèvres. Il existe un mentholé pour les personnes qui sont diabétiques. Et les deux outils, je suis pressée de l'avoir parce que j'en ai pris un pour vous montrer. D'habitude, tout le monde se l'arrache. Ça récupère en plus, il y a une très belle couleur. Et vous avez des autres couleurs là, c'est une couleur un peu framboise. Il est super beau. Moi, j'ai pris la teinte habituelle, la teinte normale, c'est un rose pâle. Première passe. La pluie a dû s'arrêter. C'est tout gris. Alors d'habitude, je ferme le volet à cause de la lumière. Mais la limite, vu le temps pourri qu'il fait, il n'y a pas très besoin. Hop. Voilà. Voilà. Je vais juste remettre un petit peu de blanc en éliminateur dans le coin de ma paupière, en dessous là, parce que je ne l'ai pas mis en dessous. Alors, vu que j'ai mis le mascara, je vais mettre la poudre optimistique.
Là, j'avais juste mis la poudre optimistique, donc le fard compressé. Et le fard compressé révérente, j'ai adoré, quoi. C'était magnifique. Avec le noir du mascara, comment que ça ressortait très bien. Et c'est vrai qu'avec la base à paupières, j'arrivais même pas à le retirer. Enfin, j'arrivais pas à le retirer. Avec le démaquillant aussi, mais autrement, juste à retirer avec le doigt, comme ça, la poudre ne s'efface pas. Ah, j'ai un petit cil que j'arrive pas à attraper. Voilà. Oh. Décidément, ça veut pas. J'aime pas quand ça fait un petit trou. Et voilà. Ça ouvre bien leurs gars. Hein. Ils sont super beaux. Donc j'ai dit j'en mettais un petit peu de poudre. C'est pas celui-ci. Celui-là, le petit mystique. C'est un blanc nacré, franchement. Il est super beau. Je vais le prendre avec mon petit pinceau mousse. Juste dans le coin interne de mon œil. Ça fait un point de lumière en fait. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire les lèvres, je ne sais pas trop quoi faire. Il y a le gloss en ce moment que j'aimais beaucoup, j'adore, franchement. Là, il y a des soins dedans et puis il a une très très bonne tenue. Il n'a pas un effet gras comme, comme bien souvent les gloss ont que j'aime pas, que je déteste d'ailleurs. Je réfléchis. J'ai déjà fait mon exfoliant. J'ai déjà les lèvres assez foncées, les yeux assez foncés, donc cet exfoliant se présente comme ceci. Un tube que vous déroulez. Et il y a du sucre dedans. Je ne sais plus, j'ai composé de plusieurs sortes à sonner naturel. C'est appliqué sur les lèvres. Après, vous les massez au doigt. Vous sentez, vous avez tous les petits grains. Vous l'essuyez. Hier, je sentais encore l'effet sucré sur le sur les lèvres. Du coup, vous avez les lèvres beaucoup plus rouges, vous voyez. Ça a stimulé la circulation sanguine, en fait. Et les lèvres sont toutes douces. Ça me dit pas quel rouge à lèvres je vais mettre. Le splash que j'adore, pareil, il a une très 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 bonne tenue, franchement, au niveau de la tenue. Je vais mettre dans le rose. J'hésite. Ou un fort liquide, parce que les forts liquides, c'est pareil. Enlève ça. Hop. Je vais y mettre mon beurre à lèvres, un beurre à lèvres,
Et en dessous, vu que... Oui. Je vais mettre... Oui, mon chéri. Je vais mettre un fort liquide en rouge à lèvres. Ego Stitical, j'adore, il est trop beau. On va faire un rose pâle. On va mettre Business Like, que j'adore aussi. Franchement, les forts liquides, je les adore tous. Que ce soit les couleurs brunes ou brun. Ou brune, oui, rose ou brun plutôt. Oui, mon chéri. Non, moi, je vais avoir fini. Oui, on va aller chercher le gâteau. Oui, oui, mon chéri, maman l'a fini. Vous voyez, ça fait un petit rose. Oui, mon chéri, on y va, maman l'a fini. Je termine et j'ai fini. On attend juste que ça sèche. Donc, je rappelle, ils sont dans l'offre. Donc, vous pouvez les utiliser aussi bien en rouge à lèvres. Oui, oui, maman l'arrive, mon chéri, on descend. Attends, on va enlever tout ça. Je mets ça et puis c'est fini, d'accord? Non, et là je vais venir beurrer. Avec le beurre à lèvres. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Pour un effet un peu plus, plus brillant, on va dire, plus nacrine. Les beurres à lèvres, ça fait des couleurs naturelles. Vous avez un petit brun là aussi. Ils sont teintés, mais en même temps, ils ont des couleurs naturelles. J'ai le brun que j'avais dans la main il y a 2 secondes, que j'ai pu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là. Et en même temps, ils sont teintés. Ils apportent des... Soit ils hydratent les lèvres, et soit ils sont teintés. Le rose est tout clair, il est beau. C'est Spice Day, il est magnifique. Et celui-là, c'était dans les éditions limitées. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait un bel petit... Un beau petit effet. Le petit, si je ne me trompe pas, il fait un peu un effet comme ceci. Ce soir, je vais au coiffeur refaire mes mèches. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas faites, ça se voit. C'est long à faire, c'est pour ça en fait. Puis je trouve ça abîme les cheveux, donc je préfère pas trop les mettre. J'ai déjà les cheveux secs à la base. Alors si en plus, quand j'étais plus jeune, je faisais des décolorations. J'étais blonde, blonde, même limite blanche. Je les ai flinguées. C'est un truc de ouf. Bon, maintenant, c'est revenu à la normale, mais bon. Au début, voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à partager mes lives, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de n'importe quel renseignement, n'hésitez pas. Donc je rappelle l'offre spéciale yeux avec un mascara Epic ou Twisted, un crayon ou eyeliner, je ne sais plus ils sont où, au choix, et les forts liquides. Et dans les forts liquides, vous pouvez avoir les nouveaux, les petits nouveaux, les éditions limitées, qui sont disponibles aussi à l'unité. Jusqu'à rupture de stock. J'arrive, mon chéri. Ça y est, maman. Oui, maman, elle arrive, attends. Et vous avez l'offre spéciale lèvres, donc avec l'exfoliant, je viens vous montrer, et les deux repulpeurs, vous prenez deux repulpeurs Oti. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup, parce que Oti, d'habitude, c'est rare qu'ils soient en offre. Et quand ils sortent, ils restent vraiment très, très, très peu de temps au catalogue. Ils partent à une vitesse grand V. Ça plaît beaucoup. Je vous montrerai comment l'effet que ça, on découvrira ensemble, parce que franchement, je n'ai jamais utilisé non plus, donc on va voir. Donc, n'hésitez pas. La tombola sur mon site, voilà, 2 euros la case. Et vous pouvez... oui, mon chéri, j'arrive, on y va. 2 euros la case et vous avez une eau de rose à gagner, plus fort liquide et un crayon, si je ne raconte pas de bêtises. Et vous avez aussi les sacs à 24 euros le sac, vous repartez avec le sac. Un de mes produits chouchou. Donc ça peut être un mascara, ça peut être un outil, ça peut être un eyeliner, plus des petits cadeaux à l'intérieur. Et le fond de teint liquide qui est en promo à 31,50€ jusqu'à la fin du mois. Et voilà, ça doit être tout. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais non, c'est bon, c'est tout bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous, bye bye, bonne journée.